pas à dire, ce mode Animated Player a vraiment la classe. Et ben salut tout le monde, c'est Whoopidoz et aujourd'hui on se retrouve pour un hors-série, un deuxième hors-série sur Hunter Z, sur la map The Last of Us. Alors attention, je n'ai pas voulu plagier GusDX, c'est juste que j'avais envie de la faire, j'avais déjà découvert cette map et... Enfin quand... Ben, j'ai tout simplement voulu faire la même chose que GusDX quoi, parce que c'est vrai que cette map est géniale. Alors, bon, je la connaissais déjà bien avant qu'il fasse son Hunter Z, mais... Ah, et puis, je vais te laisser tomber, bon. Ce sera du Hunter Z classique. Du Hunter Z classique, on meurt une fois. On meurt une fois, bah, la scène s'arrête. Et aussi, je ne ferai pas d'objectif. C'est-à-dire... Attendez, excusez-moi. C'est-à-dire... lui il avait dit à partir il avait le droit à 3 morts et après il arrêtait puis il faisait les objectifs de la map. Moi je ne ferai rien de tout ça, j'ai déjà assez de mal tout simplement à survivre comme ça. Alors s'il faut que je remplisse des objectifs, ça va pas du tout le faire et je veux que cette série dure assez longtemps histoire de vous faire patienter maintenant que j'ai assez de temps libre devant moi. Étant donné que Minecraft Apocalypse, la Seconde Guerre mondiale, j'ai bientôt fini l'écriture, Hunter Z saison 2, je vais la faire tranquille, sans me presser, et que j'ai plus vraiment de soucis à me faire au niveau de Let's Play ou du gaming à gogo, je m'autorise à vous en faire une. Allez voilà. On se retrouve en jeu, n'oubliez pas, l'aventure est RP. 3, 2, 1, je lance. Ah punaise, mais qu'est-ce qui m'est arrivé là? C'est quoi cet endroit? Il y a déjà des... Non... Putain, il y en a déjà, mais... Et merde, allez. D'autres ont sûrement entendu la détonation. Ça peut m'aider ça. Ah putain, il y a une tête de zombie. Des petits... Un petit stop de base. Bon, faut que je m'enlève, faut que je quitte cet endroit. Ça va, j'ai pas très faim. Mais comment ça se fait que je me suis retrouvé là-dedans? Je me souviens que j'étais en train de marcher sur un pont. Plus rien. Ah punaise, allez vite. Ça va, pas beaucoup d'infectés, c'est bon. Ah, il fait noir. Mon but là, il faut que je prenne de la nourriture, c'est pas avec mon poulet cuit que je vais survivre. Mes pommes là. Avec ça, je vais tenir 2 journées, pas plus. Après, ça sera qu'une question de temps avant de mourir de faim. En train de réfléchir. Je suis dans quoi là? Je suis dans un studio? Je suis... Ah! Putain non! Crève! C'est vrai, les rats ils sont atteints de l'infection aussi. Ah du papier, je sais pas si ça peut servir à quelque chose, mais je... Ah des cookies, c'est bon déjà. Comme je vous l'ai dit, c'est la nourriture avant tout. L'eau, ben ça va, il y a de grosses flaques. Je sais pas ce qui s'est passé ici, mais
la pluie a bien arrangé l'apparition de l'eau et par conséquent ça arrange tous les survivants qui sont ici. J'espère d'ailleurs qu'il n'y a pas d'autres survivants dans la ville parce que là je suis pas dans la merde. Malgré mes deux armes, je suis pas très expérimenté au combat. Oh la vache. Oh la vache. Faut vraiment que je fasse attention là. Bon ça va. Ah, c'est un manuel qui permet d'améliorer l'efficacité de nos outils ou autre. Ça peut que être bien d'avoir. Bon par contre là du coup je fais quoi parce que... C'est bien beau d'avoir ça mais... je saute. Non, non, non. Qu'est-ce que j'ai quoi comme idée? Cette ville a l'air assez grande, faut vraiment que je fasse attention à moi. Maintenant je dois redescendre le bâtiment, punaise. Il y a bien une chose énervante, c'est bien ça. Ah putain, merde! Ah! Ah, saloperie! J'espère ne pas croiser d'infectés pour... Il y a du bois là-haut. Qu'est-ce que je fais? Parce que le bois, il risque d'être important, le bois. Et d'un côté, là, c'est bientôt la nuit. Ouais, mais j'ai pas de bloc. Allez. Oh, punaise, j'ai failli tomber dans l'eau. Oh, j'avais pas vu qu'il y avait des trous. C'est pas stable. Faut que je me dépêche. Pour l'instant ça va suffire. La nuit tombe, vite vite. Faut que je me dépêche. Et merde, y en a un infecté. Vite. Non, dans les meubles y'a rien. Bon. Le bâtiment il est pas... Non c'est trop bas. Bon je me pose là pour la nuit. De la canne à sucre. Du charbon. Ça peut être utile. Et je vais manger du rat. Punaise, il y en a déjà, il y a des infectés. Il y en a un là. Un autre ici. Bon, il n'y a pas trop d'infectés pour l'instant, donc ça va très bien, ça m'arrange. Voilà.
dîner, je le fais avec ça. Des pommes bien mûres comme je les aime. Ça fait du bien ça. C'est bon à manger. C'est bon. Voilà. Ah, l'eau à bouillir vite. Ah non non non, le feu il va s'éteindre là. Ah putain. Un bout de bois ça peut. Un bout de bois ça va le faire, ça va le faire. J'ai peur là, j'entends un zombie, il doit bien être là devant. Faut vraiment pas que je me fasse mordre. C'est vraiment le très gros problème. Voilà. Je devrais même mettre des torches un peu partout dans le bâtiment. Déjà, c'est plus accueillant. Oh là là. C'est pas avec des épées en bois que je vais survivre longtemps. Il me faut quelque chose de plus solide. Parlant de choses solides, je vais me faire de ce pas une pioche en bois. On m'a dit que c'était assez costaud pour c'était assez puissant pour casser de la pierre, et moi j'ai besoin de pierre. Ils sont partis. Ah non, j'ai rien dit. Je pensais économiser mes balles. En plus que si je tire, j'amène tous les zonards là. Alors qu'avec ça, ça va être silencieux. C'est moi, ça c'est ce que je veux. Je veux que ça soit silencieux ce que je fais. J'allais péter le plafond, mais je me dis que si, admettons, il y a des zombies juste au-dessus ou un lit, j'ai pas envie que ça me tombe sur la tête. Ça me manque la télé. Bon, je vais dormir. Bah au pire, je peux me créer quelque chose de plus confortable. Allez, j'arrache la laine du lit, c'est pas grave. Ah bon, quelque chose de plus confortable, il me faut encore du bois. Et merde. Il manquait plus qu'un petit peu de bois et c'était bon, je pouvais me faire un lit confortable.
bon. Moi, je vais couper la caméra. Et je vais dormir. On se retrouve demain. Oula, bah j'ai bien dormi, je crois. Bon, l'heure est venue de fouiller les autres bâtiments. Et récupérer le bois. Je vais d'abord récupérer le bois, ouais. C'est la chose la plus importante. Bon, ça va, tant qu'il se jette pas sur moi. Non mais merde, j'ai pas de... Oh, chier. J'ai entendu un rat, je sais pas où il est. Bon allez, faut que je coupe du bois là. Pas d'infecté en vue, c'est bon. Est-ce que si je tombe dans la flotte, punaise, il y a des poissons. Si je tombe dans la flotte, est-ce que je peux remonter? Je vais utiliser cet escalier. Hop, j'ai rattrapé. C'est bon. Bon bah on a de la pierre ici. Je casse le parking. De toute façon ce sera une grosse perte pour personne. Vu qu'il y a très peu de chances pour qu'on les réutilise un jour. Bon. Punaise, aidé. Ça fait quoi juste comme ça? Ouh là là là. Ah mais des pépites d'or, je ramasse ça mais ça va rien faire à part imposer du poids dans mon sac. Encore des pépites, mais je m'en fous. Par contre les coffres, ça m'intéresse. C'est ça le pont où j'étais allé. J'étais sur ce pont. Oh putain. Je loupe mes balles, oh là là. Comment se fait-il que j'ai jamais ma... Voilà. Toi aussi. Oh là 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 là. Désolé mais là, oh les gros remèdes. Oh putain. Ah bah il avait une patate dans sa poche.
ici, y a rien. Un McDonald's là-bas, c'est bien ça hein? Ah ouais, y a un McDo. C'est quoi ce gros truc là? C'est énorme. Oh putain! Il fait chier! Putain! Allez! Allez, crevez! Allez, crève! Tiens. Voilà, c'est fait. Plus personne dans les environs. Allez, go. Oh putain. Ah non, mais là ça va pas le faire. Oh là là, il y en a d'autres qui sont par là, dans l'hôpital. Il doit bien y avoir quelque chose pour me soigner, ou un endroit à l'abri de ces choses. Ça c'est fait, il faut plus rentrer. Oh, putain de merde, c'est... Est-ce qu'il y a quelque chose là? Non. Putain de merde. Fuir. Je ferme les portes. Encore du fuir. Pas des boissons, pas de médoc, y'a rien. Par contre les pommes, ça va. Une plume. Qu'est-ce que je m'en contrefous des plumes? J'entends les zombies, j'espère qu'ils sont pas parvenus à rentrer, c'est tout ce que j'espère. Encore du cuir. Ah, des médocs. Ça peut toujours être utile. Le bâtiment. Ah voilà, encore des médicaments. Bah, ça va, il a pas été complètement fouillé. Ah bah oui, alors là c'est la fête. Ça va vraiment être utile. Il y a quelque chose là-dedans. Des pépites, punaise. Quoi qu'en assemblant toutes les pépites, on pourrait peut-être avoir quelque chose de potable. Putain, qu'est-ce qu'il se passe? J'ose pas descendre. Je vous le dis tout de suite, j'ose pas descendre. La porte est déjà ouverte. Potion de génération. Punaise, toute l'eau qu'il y a ici. C'est le malheur de tout ce qu'il y a de plus potable. Bien qu'il faudra la faire bouillir avant. Ah, le fameux pont. Punaise, en dessous, c'est vrai. Oh putain. On pourra s'échapper par là la prochaine fois. Mais pour l'instant, j'ose pas quitter cette ville.
Ah, je me disais, est-ce que c'est possible? Ouais. Allez, je sors comme ça. Punaise, il va déjà bientôt faire nuit. Aïe! Allez, vite, vite. Oh, punaise, allez, vite, vite. Allez, cours, cours, cours. Il se trouve où, mon... Voilà, c'est là. On voit la lumière de mes torches. C'est là. Ça tient le coup, ces torches, longtemps. Ça fait plaisir de voir que ça... C'est du bon bois pour du bon feu. Allez, vite. Vite, 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 vite. Ah, quelque chose pour bloquer. De la pierre. Bon. Bah écoutez, ça a l'air d'être bon. Je pense que je vais rester un bon moment dans cette ville. En attendant, je coupe la caméra et on se retrouve demain. D'autant que la nuit en attendant que le jour se lève. Allez, à plus tout le monde.